Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous parler d'un accessoire assez intéressant. Il s'agit d'un bonnet, oui, vous avez bien compris, un bonnet proposé par la firme Arkos, qui est assez connue déjà pour des tablettes et des baladeurs MP3. Là, Arkos nous propose un bonnet Bluetooth. Ah oui, ça ne s'invente pas. Bonnet Bluetooth. Donc, quel est l'avantage? Ben, comme on peut le voir sur l'illustration, c'est pour être en mesure de pouvoir, via une connexion Bluetooth, se connecter à votre smartphone et de pouvoir écouter la musique ou de même pouvoir répondre à un appel, donc à un système de kit main libre. Donc voilà, c'est un accessoire assez intéressant, donc compatible avec n'importe quel smartphone donc, qui aura du Bluetooth. On peut voir ici, donc sur l'emballage, on a une petite partie en cuir et en fait on a des petits interrupteurs sensibles sur lesquels on pourra être en mesure de pouvoir donc piloter avant-arrière au niveau des pistes ou même donc décrocher pour recevoir un appel. Donc voilà, c'est Arkos qui propose ça. Le prix de l'accessoire est d'à peu près une vingtaine d'euros, un petit peu moins. Ici en Suisse, ça fait à peu près 19 francs. Et voilà, si j'ouvre, voilà, je vais le déballer. Voilà, ah là, donc vous pouvez le constater, hein, c'est un bonnet assez simple, assez sympa. Il existe en gris ou en brun. Et caché à l'intérieur du bonnet, bien évidemment. Donc, la garantie avec les normes européennes. Voilà, ça on connaît. Super. Une explication provenant d'Arkos sur le Music Beanie, donc le bonnet musical, là, comme ils l'appellent. Faut faire attention, c'est lavable à la main, attention donc, hein. 50% acrylique et 50% en polyester, fabriqué chez nos amis les Chinois. Voilà donc un quick start guide qui nous explique, ben voilà, qu'il faut faire attention lors du démarrage. Rien de bien particulier. Je continue à regarder ce qu'il y a là-dedans. Un sac en plastique, rien d'autre. Et ici, voilà. Le numéro du support Arkos, quels que soient les différents pays. Donc, si on a un souci, on peut les appeler. Et puis, bien évidemment, eh bien, ils nous dépanneront le cas échéant par rapport à notre accessoire. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Je vérifie. Apparemment pas. Voilà. Donc, voici donc la fameuse partie d'interrupteur. Je suis en train de chercher voir s'il y a encore autre chose dans le bonnet. Non, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Ensuite, comment est-ce que ça se charge? Comment est-ce que ça se connecte? Eh bien, justement, c'est la partie que j'essaye de pouvoir trouver pour voir si effectivement il y a une indication quelconque. Ah, attendez voir. Mais oui, bien sûr, il y a un câble USB. Il est au fond du carton. Donc, micro USB. Voilà. Donc, je suppose que par ici, il doit y avoir une entrée micro USB qui doit être bien dissimulée dans le bonnet. On va voir si j'arrive à le trouver. Il est bien planqué en plus. Alors, donc il y a un connecteur sûrement pour ça. Faut juste le trouver. Je vais chercher un petit peu là-dedans parce que ici sur l'extérieur, on ne voit rien du tout en particulier. Je ne vois pas de prise particulière sur l'extérieur. Donc c'est bien planqué. On sent qu'il y a un module en fait juste ici en dessous de la couture. Je pense que ça doit être bien caché ici derrière. Donc on doit trouver un moyen de s'y connecter. Enfin bref, voilà. Prise USB, donc je pense pour le charger. Ah, attendez, attendez, attendez. Si, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ah, c'est vraiment pas évident. Il est juste en dessous. On peut le voir ici. Il est juste là. Et effectivement, on peut glisser le câble USB ici à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas évident à trouver. Enfin ben voilà. Une seule taille, hein, donc pas trop mal pour vous couvrir les oreilles durant l'hiver et en même temps bah, écouter de la musique et pouvoir répondre à un appel si vous êtes dehors. Donc c'est assez sympa. Voilà, c'est la firme Arkos qui vous propose donc un bonnet Bluetooth pour un peu moins de 20 euros. Voilà, c'était mon déballage de cet accessoire. Je vous souhaite une bonne visionnage et puis peut-être à une autre vidéo. Merci, au revoir.